Alright. Donc là on en est où? Plus de 1000 par jour, les gens arrivent, j'ai toujours pas de quoi faire des appartements une pièce. Ils devraient mettre dans la description quelle place ça prend. Tiens, je vais voir à leur médecin suggestion sur Steam pour qu'on puisse prévoir dès le départ en fait. Parce que là du coup, ben. Oups. Obligé de faire ça. J'ai même pas l'argent pour ça. Ok. Tiens, alors eux ils sont pas contents. Ouais, ils veulent un endroit où dîner, mais j'ai pas de restaurant moyen. Pourquoi il m'a dit payer 140? Ne nous privons pas. Allez, on y va, on y go. Ouais, on arrive bientôt de 23h. Du coup, ben, je peux faire tout ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Attendez, on va déjà leur mettre ça. Bonus lorsque la population atteint 40. Attendez, c'est quoi mes objectifs? Est-ce qu'il faut 100 résidents et 8 magasins? Ok. Donc, comme dit, pardon. Ordure. Celle-là. Là, oh. Hop là, on met ça partout. À cause du loyer, j'imagine, mais bon, je me fais des flouzes. Allez, action. Les deux sont là, très bien. Là, à la limite, je peux faire. Oh, merde, j'aurais dû attendre qu'ils aient fini. Top. Eux qui sont pas contents, on va leur baisser le loyer. 83. Alors, faut que je me souvienne qu'il y a ces deux-là. Ok, magasin, il faut 2 étoiles. Là, j'ai l'impression que je suis un peu condamné à faire plein de trucs comme ça en fait. Il faut que j'investisse là-dedans. Bon, là de toute façon, j'ai pas trop le choix. Du coup, ça veut dire qu'au coup prochain, je vais devoir payer un comme ça pour au moins avancer encore un peu. Je
Shit, il y en a déjà un qui manque d'électricité. Lui c'est bon. Si jamais je mets un truc d'eau vers le bas, je sais pas, je vais le foutre là. Parce que là, je vais pas avoir la place où il faut que. Si, si, je vais mettre lui ici. Du coup, bah, je vais mettre également l'eau pareil. Alors, l'économie de la ville est au bord de la dépression, les petites entreprises se replient et tentent de minimiser leurs loyers, cependant les coûts de construction deviennent également plus faibles. Soit. Je vais mettre tout de suite un coup d'eau ici. Ok, donc je suis là, parfait. Alors. Hop. On va leur mettre une poubelle. Allez, action. J'en ai pêché vous. Attendez, elle n'était pas contente. Je veux acheter un petit déjeuner. Aucun restaurant ne sert de petit déjeuner. Ah non, il ne sert que le déjeuner. Ah oui, peut-être que je peux mettre un nouveau truc qui sert le petit déj. Bah non. Alors, est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal fait et où j'aurais dû avoir une étoile déjà œuvre d'art, contrats spéciaux, déménagement et expulsion? Là, j'ai l'impression que je suis un peu condamné à construire des étages de simples petits appartements. Non, merde, terminer cette zone, putain. Ouais, il priorise. Alors, un problème est survenu dans une des cages d'ascenseur. Cela signifie que les personnes provenant de l'étage concerné devront attendre beaucoup plus longtemps que d'habitude. Personne n'aime attendre et cela. Mécontent, si votre immeuble dispose d'un bureau d'entretien, un dernier enverra un employé pour remédier au problème dès que possible. Bah si, heureusement j'en ai un. On va vérifier qu'il n'y a rien à rénover. Ok, reste là s'il te plaît, mademoiselle. Hop là. Là. Personne n'est mécontent. Je vais les repasser à 124 parce qu'il n'y a pas de raison. Oui, je gagne 4000 par jour quand même. J'ai déjà passé un jour. C'est fou ça. Alors du coup. Ouais, là on est déjà à 60. Et là, ça va être pareil. Du coup. Ah, je vais faire ça pour lui. Je fais ça. Puis ça. Sachant que j'aurais peut-être pas dû. Là pour le coup, j'en ai deux. Ça me coûte autant que. Putain, j'aurais eu de l'argent. Je vais faire ça pour l'eau. Pour
pour l'eau, je vais attendre. Pour pouvoir me payer ça, 5 500. Pour le coup, je pense que je vais pouvoir me payer ça. Ah, attendez, attendez, attendez. Je peux encore en faire un, en fait. Pas plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30. Ah oui. Bon, il est que 7 h du mat. Alors, c'est ça que je comprends pas trop. Parce que lui, c'est un café. Ça apparaît, je verrai sur les forums de Steam. Alors. Ben, les mecs, vous allez continuer à construire, hein, parce que. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire en même temps. Oups. Tiens, puisque vous êtes là, oui. Vous allez me construire là. On va rester à 1650 pour l'instant. Il n'y a que 30 personnes dans l'appart. Je vais sauvegarder. Lakepoint Tower. Comme ça, si jamais ils se barrent, je pourrais recommencer à ce niveau-là et du coup baisser leur loyer. Ok, c'est bon, ça suffit. Ici, personne à rénover. Ok, mais ça va, là, la satisfaction est en hausse. Il n'est que 15 h. Voilà. Alors, je vais te repasser à 124 tout de suite. Je suis toujours qu'à 30 là. Oui, pour l'eau, je dois attendre. Ouais. Je vais pas faire d'emprunt tout de suite. Ouais, de toute façon, les deux là sont actifs. Je vais laisser eux faire leur sauce. Il n'y a qu'un café. Il a eu combien de clients? 14 clients, donc la moitié de l'immeuble. Ok. Du coup, on va faire ça. $1500 par jour. Second V encore. Merde, j'ai plus d'argent. Bon, tant pis. Ouais, j'ai plus d'argent, il est 8 h du mat. Zut, on est à 31. Remarque, je peux déjà mettre les studios.
C'est dommage qu'on puisse pas aller encore plus vite. Alors, est-ce que j'ai vraiment construit au plus que ce que je pouvais? Je peux pas reconstruire ça. Qu'est-ce que c'est con, GPH. Je perds une place ici. Ça, c'est bon à savoir aussi que l'ascenseur ne prend que 3 tuiles, hein, alors que l'escalier en prend 4. Bon, alors, je gagne plein d'influence qui ne me servent à rien. Transport en commun, limite en hauteur, décoration. Je pense que construire. Ouais, 5000. Et puis population 100 ou plus. Ok, donc on s'en fiche. Il n'y a que ça comme commerce et il n'y a personne qui vient. Personne qui est là. Alors. Ok. Voilà. Donc, prochain étage. Concrètement, j'espère que c'est le dernier pour lequel j'aurai à mettre des cocos comme ça. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux ça. Vais mettre juste pour ces quatre-là pour l'instant. On est déjà à 36. Vous avez accumulé suffisamment de buzz pour une nouvelle campagne médiatique. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Pas besoin de le faire maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle un HLM. J'aurais pu attendre puisque là on est à 39. On va sans doute avoir un nouvel occupant dans vraiment pas longtemps. Ok. Allez, plus que un mec, s'il vous plaît. Un mec. Juste un seul. Ah, les gens me tuent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Putain, j'ai 2 étoiles. 1. Putain, je peux en mettre 2.
Sachant que là, je peux en mettre qu'un, mais là, je peux en mettre que deux. Alors, attention, ils veulent quoi? Plus grande variété de petits magasins, plus grande variété de magasins qui vendent de la nourriture et des provisions requises. Souhaite des poubelles au même étage. Veut avoir un bricoleur et des services de plombier. Et bien sûr, hein, pas de soucis. Mais c'est bien parce que du coup... Plus grande variété de petits magasins. Ah, wait. Il veut des restaurants ou des magasins? Ils vendent des magasins qui vendent de la nourriture. Putain! On va quand même en mettre un là. Baie de stockage requise. Alors, bah, j'ai bien fait de garder du blé sous le coude. Les copains, ils vont aussi aller faire ça. Goddammit. Et on va se faire une baie de stockage. Allez les cocos, on y va. Aliments et boissons. Hop là. Je vais voir un maître des services. Bricolage. Ah oh putain, je peux les placer là, c'est génial. Du coup, on va les placer là, juste en dessous. Quoi d'autre? Plombier. Plus ça optimise la place. Ah, j'aurais pu le mettre là. C'est pas grave. Du coup, plus grande variété de petits magasins. Donc, ils veulent un autre petit magasin. On va les mettre là. Appareil électronique. Attendez, qui paye le plus? Pour l'instant, c'est 250. Oh, ils veulent une ligne téléphonique, eux. Attention. Du coup, je dépense carrément là-dedans déjà. Allez les mecs, allez nous construire tous ces services. Oui, autant pour moi. On n'a pas assez d'alerte par rapport à ça. Bien voir qu'on lui serait construit. Ok, là il est construit. Bon, et ben on en met encore un autre. On va mettre vin et spiritueux. Ligne électrique uniquement. Les cocos, alors est-ce que j'ai bien câblé tout ça là-haut? Non. Je fais bien de regarder. Ils veulent pas de téléphone, hein. Ah, ils font chier là. J'ai déjà trois magasins.
Et ça leur plaît pas. Sérieusement? Bon, bah on en met un quatrième. Hop là. Nice, ok, bon là on se porte bien honnêtement. On va lancer la construction de ça. Eux ils ont quasiment terminé là, donc on peut mettre l'ascenseur là. Les ordures là. Oui, en vrai, un 10. Ok. Tout le monde est content là, c'est parfait. Pouf. Porte à rénover. De toute façon, on s'en fout, je vais dépenser ça. On est déjà à 4 minutes sur 100. C'est ça que je voulais faire aussi. Ouais, dès que j'aurai besoin. Qu'est-ce que je veux? Truc que je voulais, je sais plus. Ah oui, tiens, là je peux choisir où je les mets. Je vais les mettre le plus proche. Mais je suis pas obligé. Attendez, stop. Je suis pas obligé de les mettre les uns au-dessus des autres en fait. Du coup, je pourrais très bien optimiser en en mettant un là, puis un là, puis un là, et un là. Oh putain, il y aurait pile la place. Alors. Il faut juste que qu'on soit d'accord. Donc je les mets à côté de la fille là. Nice. Ok, on va finir cet étage-là. Ça, j'avais pas noté encore, tiens, qu'on pouvait les mettre en fait n'importe où. Bon, il faut juste qu'il y ait les services juste en dessous d'eux lorsqu'on les met. Nice. Allez, action. Et voilà, cool.